Bonjour à tous. Bah écoutez, j'attends mon ami Nico là, petite sortie ce vendredi. Là, on est le, je sais pas, le 19, le 20, je sais plus, je sais jamais les dates. Bon, vous connaissez le coin, je vous avais promis, hein, de toute façon, on va continuer le ratissage. Donc on va attaquer la partie là si elle n'est pas trop humide. Et puis peut-être celle là-bas, on verra. On a 3 bonnes heures devant nous, il est 14h à peu près. Bon, comme j'ai trouvé ici, moi je vais continuer à quadriller le long là. Et puis on verra bien. Bah écoutez, je vous reprends tout à l'heure à la première trouvaille, et puis quand notre ami Nico est parmi nous. Un petit coucou à Dom qui est toujours coincé avec son dos. Je vais essayer de l'appeler quand même si jamais il veut prendre un petit coup d'air. Et on verra bien, peut-être une surprise, on sera peut-être à 3. Bon, allez, je vais attaquer. C'est calme. Pas de soleil aujourd'hui, mais par contre, il fait bon, hein. On est dans les positifs, il doit faire 4-5 degrés là. C'est super agréable. Bon, et ben j'écoutais, j'y vais. A plus. Bon, Nico n'est pas encore là, il arrive. Première petite trouvaille, j'ai eu quelques palpitations. C'est ici, c'est tout brillant, mais ce n'est qu'un bouton. Vu le format, j'ai cru une petite gauloise au départ. Donc c'est un bouton qui est décoré. Alors pour dater, je ne sais pas, ça peut être récent. Je ne pense pas que ce soit une pression. Enfin, je vois. Au nettoyage, on verra mieux. Bon, en tout cas, un petit bouton. Ça peut être peut-être une pression, hein, mais avec la terre, on ne se rend pas trop compte. Donc ce genre de trouvaille, toujours garder, puis ça peut être une pression d'équipement militaire la dernière guerre. J'avais l'impression de voir un aigle. Au début, j'ai pensé un bouton américain, mais voilà. Bon, bah, écoutez, pour l'instant, je garde. C'est rien, pas grand-chose, mais on continue. Minico. Bon, ben, comme effet exprès, quand il arrive, je me suis dit, tiens, ça serait bien que je trouve une trouvaille pour allumer l'appareil. Ben, ça tombe bien, une première monnaie. Bon, j'ai cru un billon, mais non, ça va être un DT ou un liard, mais qui est mort. Bon, monnaie royale, ça c'est certain, mais là, il n'y aura plus rien, je pense. On voit une petite trace légère, mais... Bon, enfin, bon, première petite monnaie, donc il y en a encore. Hein. Donc on va continuer. C'est toujours encourageant. La Minico. Bon, moi, je pense qu'on va rester 2 ou 3 heures ici. Et puis, on verra bien. Donc je continue mes lignées. Et je pense qu'on devrait faire quelques trouvailles encore, en espérant qu'il y ait des trucs sympathiques. A tout de suite. Notre petit Nico qui creuse. Bon, après 2 ou 3 allers-retours, ça va donc là, profond, avec un super son. C'est ici. Un joli soldat de plomb avec des couleurs encore. Alors, on dirait un soldat. Un mort, ou je sais pas, ou un zouave, je sais pas. C'est sympa ça à nettoyer. À moins que ce soit un archer, un arbalétrier, peut-être. Avec des tenues un peu plus, je sais pas, ouais. Ouais, on voit la robe là. Enfin bon, ça faisait longtemps que j'ai pas trouvé de soldat, c'est sympa ça. Pas tout neuf, avec quelques couleurs, on va faire attention au nettoyage de ne pas l'abîmer. Je pense que je vais le sucer, comme c'est du plomb, je vais le tremper dans l'eau tranquillement. Le temps que la terre se décolle, et puis bon, on sera un tout petit coup avec une brosse à dents en essayant de ne pas boucher les couleurs. Voilà. Et voilà, une petite figurine sympathique. Et bien on continue, c'est qu'il y en a encore. Donc on continue à chercher avec notre ami Nico. Donc voilà, on s'arrête à peu près ici. Moi je me suis repéré, voilà. Je me prends un point de repère, je sais qu'on a quadrillé une bonne partie du champ. Nico a fait quelques allers-retours, il a trouvé quelques vieux les boutons militaires, les boutons d'équipement militaire, donc c'est pas trop. C'est sympa, mais c'est pas top. Et comme ça commençait à être plus calme, et puis qu'il faut bouger un petit peu, hein, c'est un petit peu monotone sinon. On a essayé de traverser puis de faire la partie là un petit peu en zigzagant, en se promenant. Et ben écoutez, premier son ici. Bon, elle va être pourrie, mais ouais. Donc format soit napo, soit sol, mais bon, elle va être explosée, pourrie, tout ce que vous voulez. Enfin, on n'en tirera rien, c'est une sabot. Mais bon, enfin, une monnaie. Et ben écoutez, on va continuer à chercher, on va se promener. Et on vous reprend à la prochaine trouvaille. On prend tout de suite, le trou était ici. Donc 3 mètres plus loin. Nouveau son ici. Même format. Aussi pourri je pense. Il y avait un semblant de patine au départ. Et puis bon, c'est bien du format du napo. Hein. Je pense pas du tout à. Je
pense pas des plus anciennes que. Enfin bon. Je pense que c'est un appôt qui va. Vous voyez, qui part rien qu'en frottant, il part en lambeaux. Mais on va continuer, ça veut dire que ça passe un petit peu là. Bon, ça fait troisième monnaie pour aujourd'hui. Hein. C'est pas baudouille, même si elles sont pas belles, ça fait plaisir. Ça donne envie de continuer. Et on est reparti.